janvier 2023, le magazine Rolling Stone dévoilait sa liste 200 plus grands chanteurs de tous les temps. Et un nom n'y figurait pas et c'est Céline Dion. Un groupe est allé manifester devant les bureaux du Rolling Stone à New York. Le magazine a publié une vidéo sur Instagram du rassemblement et puis, tiens, qui voit-on? L'animatrice Julie Snyder au beau milieu de la foule. Ça vous dérange pas, on restera pas comme mais ça. Oui, vous êtes encore toute mouillée, mais. Est-ce qu'on peut aller changer? Oui, mais justement, en matière de changement, Céline est une championne. Oui, mais justement, en matière de changement, Céline est une championne. Heureux de vous retrouver. Je savais que vous étiez capable de tout, mais alors ça, alors là, qui a eu cette idée? Céline, il y a quelques années, David Foster avait dit « Céline is the future ». Par contre, mais je trouve que c'est suffisant pour moi. J'en ai eu deux, puis je m'en fais plus donner d'autres. Ça fait deux fois que je prenais le COVID pareil. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher. Une maladie neurologique. La cause la plus fréquente est la présence d'anticorps. Les groupes d'âge les plus atteints sont estimés entre 20 et 50 ans. On parle d'une maladie du système immunitaire. Alors, parfois, il peut y avoir une association avec d'autres maladies du système immunitaire, syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur système immunitaire quelque chose qui lutte et ce quelque chose-là se trompe de cible et s'attaque au contrôle de détente musculaire. Est-il temps de vous excuser auprès du monde, monsieur, de rembourser les pays qui ont investi tout leur argent dans votre vaccin? Cela ne marche pas. Votre vaccin est inefficace. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à leur déshonneur, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hourra pour Albert le cinquième mousquetaire. I'm from Japan. Yeah. And may I ask you for a comment? No, we're on our way to the next thing. We're a bit late. But thank you. Mais comment? C'est pas évident. Est-ce que des fois tu te dis je vais trop loin? Faites confiance à vos autorités sanitaires. Faites confiance à l'Organisation mondiale de la santé. Faites confiance aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves en ce qui concerne l'exactitude des informations. Nous travaillons avec les plateformes en ligne et nous les encourageons à renforcer leurs efforts. Le meilleur moyen concrètement de contrôler Internet, c'est de contrôler les moteurs de recherche. Les plateformes facilitent l'accès aux sources officielles, telles que les autorités sanitaires, et elles rétrogradent ou suppriment les contenus préjudiciables ainsi que les annonces trompeuses et abusives. Contrôler les moteurs de recherche, ça veut dire qu'on va faire passer à tous les moteurs de recherche des listes de mots-clés qu'on ne veut pas voir apparaître.
Mais il faut aller plus loin. Les entreprises du secteur des médias sociaux doivent partager les informations avec la communauté des vérifications des faits, les fact-checkers, afin qu'ensemble, nous puissions démanteler ces rumeurs dangereuses. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise, c'est lui le meilleur, mais le plus petit de tous les mousquetaires. Il se nomme Albert le cinquième mousquetaire. Malin, rieur, c'est un vrai farceur, Albert le cinquième mousquetaire. S'il n'a pas été reconnu par l'histoire, c'est qu'à l'heure des honneurs, il préfère aller respirer l'air du soir et le parfum des fleurs. Hourra pour Albert, Albert, Albert le cinquième mousquetaire.